Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est RK Coaching. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et pour fêter cette rentrée, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur la prise de masse. Il faut savoir que dans la théorie, pour prendre de la masse musculaire, il y a trois facteurs de l'hypertrophie. Le premier, c'est la tension mécanique. Donc ça va être la charge que vous allez mettre sur vos exercices, c'est-à-dire la résistance contre laquelle vous allez devoir forcer. Deuxièmement, il y a le dégât musculaire. Donc ça va plus être la répétition où on va essayer de créer un maximum de dégâts au niveau des fibres musculaires. Et en troisième point, il y a le stress métabolique. Donc là, ça concerne plus l'acide lactique et la formation de lactate dans le corps. Ça veut dire que pour pouvoir optimiser au maximum la croissance musculaire, il faut varier les intensités. C'est-à-dire que la tension mécanique, on va devoir mettre un gros stress au niveau musculaire. Donc là, on va essayer de s'entraîner relativement lourd. Pour le dégât musculaire, on sera plus sur de la répétition. Donc là, on va dire par exemple entre 6 et 12 répétitions. Et le stress métabolique, donc là, ça va être plus la congestion, l'acidité et la fatigue musculaire qui va venir en compte. Donc pour prendre du muscle, il ne faut pas faire tout bêtement 4, 5 séries de 10 répétitions. Il faut s'entraîner sur un spectre plus large. Entre 1 et 5, entre 5 et 12, 12, 15, 20, 25, pour en fait mettre un stress optimal sur les différents paramètres pour pouvoir optimiser au maximum la prise de muscle. Et ça, c'est une erreur que j'ai souvent vue en salle, c'est-à-dire que les personnes vont suivre le même programme pendant 6, 7, 8 mois, 1 an, voire plus, vont progresser parce que le corps s'adapte au début, sauf qu'au bout d'un moment, bam, ça ne fonctionne plus, le corps il s'est renforcé suffisamment et il faut rajouter un nouveau stress pour l'obliger à faire ce qu'on appelle une surcompensation. C'est-à-dire que par rapport à un nouveau stress, le corps il va se dire purée, j'ai pas réussi à encaisser, là ça m'a fait du mal, ça m'a stressé. Il va falloir que je fasse des fibres plus résistantes, plus fortes, plus grosses. Et ça, c'est avec toujours une variation au niveau de l'entraînement et des intensités. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Et surtout à comprendre si tu es dans une période de stagnation, pourquoi en fait tout simplement tu ne progresses plus. Si tu veux un entraînement personnalisé en fonction de toi et de tes objectifs, je t'invite à m'envoyer un message et ça sera avec plaisir que je t'aiderai à atteindre tes objectifs.